Très contente de vous retrouver pour votre Quickie 10. Alors, seulement 10 minutes. Peut-être que vous êtes dans une journée où vous êtes plus pressé. Peut-être que vous voulez faire un yoga puis vous réchauffer un petit peu avant. Peu importe la raison pour laquelle vous avez choisi de prendre ces 10 minutes-là pour vous, ben je vous dis bravo. Alors, on va juste enchaîner 3 mouvements ensemble et toujours par coup de 3 répétitions, on va monter. On commence par 3 squats. Donc, les pieds, largeur des épaules, poids dans les talons, on recule les fesses loin derrière en gardant la poitrine haute pour 1, 2 et 3. Ensuite, le mountain climber que vous connaissez, les épaules au-dessus des poignets. Ici, ce qui est spécial, c'est qu'on fait 1, 2, 3. Donc, tu sais, ça fait comme 6, mais c'est 3 répétitions, vous comprendrez. Donc, 3 par jambe. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'un obstacle. Moi, j'ai placé un petit dumbbell, ça pourrait être une bouteille d'eau, un bloc dont vous vous servez pour les cours de yoga. Vraiment une niaiserie. Pour faire monter le cardio, on va venir passer par-dessus. Et encore une fois, ça va être 1, 2, 3. Si vous avez peur de vous enfarger les orteils, là, vous pouvez toujours vous servir de votre obstacle puis aller un petit peu derrière, un peu devant ou le faire avec votre tapis en sortant, en rentrant, en sortant, en rentrant. Mais l'obstacle, c'est le fun parce que ça nous oblige à être très concentrés et aussi, bien, à sauter un peu plus haut. Donc, normalement, ça devient un petit peu plus cardio. Une fois qu'on a fait 3 répétitions, on monte à 6. Une fois qu'on a fait 6, on monte à 9. Et on monte comme ça, toujours de 3 répétitions. On se rend là où on peut en 10 minutes. Et après ça, it's done! Tout simplement. Ça va faire monter le cardio. Je vais essayer d'y aller à un rythme qui est suivable, mais qui représente un défi. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la même vitesse que moi. Ce sont 3 mouvements que vous connaissez. Donc, vous y allez comme vous le voulez. Vous pouvez me dépasser ou encore vous pouvez prendre des pauses à un moment donné si vous n'êtes plus capable. C'est tout à fait correct. Alors, on part ça ensemble pour 10 minutes dans 3, 2, 1. Pour 3 squats, c'est parti. 1, 2, 3. Ensuite, on s'en va au mountain climber. Donc, 1, 2, 3. Et les sauts, je me lève debout pour 1. 2, 3, déjà 6, c'est parti. 1, 2, donc le nombre de répétitions, on va monter vite. 3, 4, 5, fesses loin derrière. 6, mountain climber. 2, 3, 4, 5, épaules au-dessus des poignets. 6, et c'est parti pour les petits sauts. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour 9, c'est parti, 1 minute de fête. 2, 3, le cardio commence à monter. 4, 5, squeeze les cuisses et les fesses. 6, 7, 8, et 9, on y va, au sol. 13, les doigts dans le sol. 7, 8, 9. Hop! Et c'est parti pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention aux orteils. 7, 8, let's go! Et 9. OK, on est reparti. 3, 6, 9, 12, let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, en constant mouvement, 8, 9, allez, 10, 11 et 12, c'est parti, 1, 5, rentre le ventre. Épaules au-dessus des poignets. 11, 12. Hop,
C'est parti! 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux aller plus vite ou prendre des pauses. 6, 7, respecte le corps. 8, 9, 10. Tension aux orteils. 11, 12, 13. On garde le rythme. 14, 15. Fuck, je pense qu'on était rendu à 12, mais là, on est rendu à 15. C'est pas grave. 1, 2, 3. Je me rends jusqu'à 15. Onze, douze, treize, quatorze, quinze. C'est parti pour Mountain Climber. Allez, allez. Moins de 7 minutes. Huit, neuf, yes! Je retourne pour 15, même si je l'ai déjà faite. Donc, elle est partie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, allez! 11, 12, après ça, 18, 14, 15, yeah! 18, 3, 2, 1, et c'est parti! La moitié du temps est passée. Pleine extension des hanches. Quatorze. 15, fesses loin derrière. 16, 17, 18, au sol. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18. Hop! C'est reparti! Mon kiki! Pour 1, 2, 3, 4, 5. Ouh, c'est pas, c'est top! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wouh! J'ai fait embarquer la deuxième vitesse. 21. C'est parti. 3 minutes d'effort. 7. 8. 9. Plus vite. 10. 11. 12. 13. 14. Allez! 15, plus que 6, 17, 18, 19, 20, 21, Mountain Climber, let's go la gang, 3, 2, 1, c'est parti, 6, 7, allez, allez, 8, 9, 11, 12, 13, 14, contacte les abdos. 19, 20, 21. Debout. J'essaie d'y aller plus vite. La fin arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allez. 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21. Dernier, 24. Allez.
On fait le tour des 24 puis c'est fini. 5, 6, 7, fesses loin derrière. 8, ouvre les genoux. 9, 10, 11, 12, allez. 13, 14, 15, 16, 17, moins de 2 minutes. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yes! On est capable, on se rend. 1, 2, 3, 7, 8, plus vite. 9, 10, 11, 12, 1 minute. 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24. J'avais l'air de rien au début, hein? On fait les 24 puis c'est fini. Il nous reste 30 secondes. Let's go! 1, 2, 3, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, allez! 21, 22, 23, 24. Oh! Restais-tu du temps? 3, 2, 1. Et c'est terminé. Wow! Good, good, very good job. Je suis très fière de vous. Je me suis fait monter le cardio dans le tapis. J'espère que vous aussi, des petits mouvements. Ça commence smooth. Et plus ça avance, plus la difficulté augmente. Ça fait partie des secrets pour maximiser son effort sur une période de 10 minutes. Maintenant, si vous êtes dans une grosse journée, prenez le temps de prendre une bonne gorgée d'eau, de marcher un peu pour ralentir le cœur et je vous en souhaite une bonne. Et si vous avez un petit peu de temps, que vous voulez doucement aller vers quelques étirements, un retour au calme, ça peut toujours faire du bien aussi. N'oubliez pas de bien vous hydrater, de bien manger. Et merci d'avoir été là pour votre quickie 10 minutes. Bisous!